Ah oui, merde, fallait que j'aille voir. Et Istos vous invite à rejoindre la guilde Les Mouettes de l'Enfer. Dis non, c'est mort. Wesh. Déjà rien que ce nom, je sais pas. Non, parce que les guildes, tu t'en fous du nom, le truc comme ça, c'est juste savoir quel niveau elles sont, quoi. Et là, c'est des bots qui parlent, du coup, c'est pas intéressant. Ah merde, je crois qu'il était là, moi, le vendeur d'artefacts. Il est à côté. Parlez au général, bref, gueule. Du coup, là, faut que je finisse vite fait ça et après je te change. Dis juste, moi, dis-moi quand t'es à Hurlevent. Bah, faut que je fasse entraînement en combat, en fait. La lumière te bénisse. T'appuies sur M. Les paladins vindictes sont de fiers défenseurs des opprimés et porteurs de châtiments pour les supports. Fais-moi le combat là. Au sort à distance. T'es où et frappe du coup sur quand t'appuies sur M. Chaîne de la puissance sacrée. Votre dévotion à la lumière vous donne le pouvoir de lancer un redoutable marteau de jugement. Ah ouais, je peux lancer un marteau. C'est bien, il peut attaquer à distance, c'est pas là. Bon, alors du coup, tu es où là? Un entraînement de combat. Excellent. Jugement peut être utilisé. Lancer l'âme de. Jules, t'es où? Mais en entraînement de combat sur un bateau volant, je crois. Ah bah c'est pas la peine que je te demande alors. Ta grande mère, territoire contesté. Ouais non, j'ai pas envie de taper le PVP moi. tâter le PVP. C'est vraiment violent de tâter le PVP. Ah c'est par là, j'ai pas vu. Quoi, ah oui, ils sont forcément de base. J'ai un truc là et il fait 30 000 de dégâts. C'est pas beaucoup 30 000 hein. Moi ça me paraît. Hein. Enfin ouais, de côté t'es peut-être level 100, donc c'est normal. Tu peux voir combien t'as de PO ou pas sur ton perso? Comment on fait? T'appuies sur le petit sac, le sac à dos en bas à droite. Ok. Le sac à dos en bas. À droite. J'ai un coffre. Et du coup, t'as combien dans le sac à dos? Il y a aussi le bouclier d'âme solaire, machin, rempart d'âme solaire, machin. Ouais, mais faut que tu regardes les PO. C'est où les... je suis à 10 PO. Les pièces d'or, là, ouais. À 10 PO ouais. Les fils de pute. C'est à moi de te payer ton stuff, du coup. Fais chier. Bah, t'as cru que j'allais me donner. Normalement, il donne 5000 PO, mais bon. Ah oh, enculé, quand c'était mon sésame il donnait 20 000 PO, mais quand c'est le tien forcément il donne 10 PO. Comment on voit le stuff que j'ai dans les mains là? T'appuies sur personnage, donc sur P. Merci. Non mais c'est grimoire ça, wesh, P. Oh peut-être. Non. M. Non ça. Wesh, il est pas logique mon truc là. Ah merde, faut que j'aille à Forge Fer. Oh là là là. Qu'est-ce que t'as là? Ah voilà, c'est C pour moi. Ok. J'ai gagné une massue directe en fait. Maillet de garde âme solaire, niveau d'objet 640. Allié demain, machin. Hein. Épée d'âme solaire. C'est quoi disons? C'est quoi la différence? C'est vrai. Hein? Pourquoi ils me donnent des objets qui font pas mal du tout genre? Enfin...
Je vais à un coffre, il me donne des objets qui font 128 dégâts par seconde, alors que le truc que j'ai de base, il fait 329 dégâts par seconde. Alors, hein. Ouais. Ah, mais c'est des armes à une main. Ah, c'est des armes à une main avec bouclier. Du coup, c'est bien ou pas de prendre un bouclier? Bah, t'es DPS, donc non, mais bah, j'ai un maillet, là. Bah, c'est bien le maillet. Ouais, mais c'est long. Ouais, j'ai des objets, je verrai après. Utiliser l'âme de justice sur le mannequin. Quoi? C'est bon? L'âme de justice est parfaite. Allez, là, tu me dis le jour où ils vont t'envoyer Hurlevent. Ah, ça, ils m'apprennent tout. Une fois qu'il tout est le à temps, portée par... de mêlée, le père Foura va t'apprendre à utiliser ta bite. Utilisez frappe du croisé sur ce mannequin d'entraînement. Je suis trop loin. En fait, t'as un putain de rose coffre, wesh. Et déjà, je souhaite trop loin. Ah, c'est un nain? Non. C'est un dragneil? Ouais. Parce que les deux, ils ont l'accent de Rouskov en fait. Bah, lui, il en a l'accent de Rouskov. Voilà, c'est bon, utiliser frappe croisée. Oh. Voilà, c'est bon. En combat, l'âme de justice et frappe du croisé génèrent de la puissance sacrée. Déchaînez cette magie divine avec verdict du Templier. Les verdicts du Templier, une puissante attaque de mêlée qui imprègne votre arme du pouvoir de la lumière. Générez de la puissance sacrée avec un peu Star Wars, hein. Puis, lancez verdict du Templier sur le mannequin d'entraînement. Ah oui! D'accord. En gros, je charge la sacrée en faisant la deuxième attaque et la troisième attaque, et après, avec la quatrième, ça fait un gros coup. Ah, il est pas mal en fait. Vous apprenez vite. Allez, attends. Maintenant que vous connaissez toutes vos techniques d'attaque de base, voyons comment elles marchent ensemble. Entraînez-vous. La paladin, en fait, le truc le plus ouf, c'est ton stun de 5 secondes. Parce que oui, t'as un stun de 5 secondes. Voilà. Vous tenez le bon bout. Oh, moi, je vais. Apprenez à utiliser Tempête Divine. Tempête Divine est un sort très efficace. Tempête à l'incantation. Divine. Une tempête d'énergie sacrée frappe. En gros, je la charge. C'est une attaque de charge, quoi. Tempête divine coûte 3 charges de puissance sacrée. 3 charges, ouais. Je dois d'abord choisir une cible. Non, putain, j'ai raté le tram. Je suis hors de portée. Ah, il me faut bien une cible là-haut. Ah ouais, ça va. Je dois d'abord ça, mal. Choisir une cible. Excellent. Honneur au roi. Vous côtoyez souvent ouais, le danger. Ouais, c'est qui ce... Il y a un mage à côté de moi, là. Une bonne préparation sera la clé de votre survie. Bouclier divin empêche toutes les attaques de vous blesser. Utilisez bouclier divin pour devenir temporairement insensible. Ça, bouclier divin, là. Oh, je suis insensible. Trop bien. Ah oui, c'est celui-là, c'est la bulle. Ouais. Oh, mais ça dure longtemps, en vrai. Ah oui, ça dure super longtemps, la bulle. Bouclier divin a absorbé la première attaque du mage. Mais la seconde vous a fait mal. La foi vous donne le pouvoir de vous soigner... ou de soigner vos alliés. Ah, je peux soigner en plus. Éclair lumineux est l'une des bases de vos sorts. C'est de pété, soin. Genre je me mets en invulnérable et je soigne tout le monde. Éclair lumineux. Mais t'as un soin qui régène toute ta vie, mais tu peux aussi le foutre aux autres. Oui, ça.
Non mais toute ta vie instantanément. Ah non bah c'est pas ça. Ça ça fait juste la régène. C'est éclair lumineux. Par contre c'est pas mal le clair lumineux, ça soigne pas. Parfait. L'entraînement est terminé. Il est temps de faire vos preuves. Mettez toutes mes leçons à profit pour vaincre mes hommes. Montrez-moi que vous combattez avec le courage et l'ardeur nécessaires. Ouais, bah fais-moi combattre, là, je me mets. Non. Il me faut une Sith. J'ai mis le bouclier, voilà. Et ta mère. Attaquer cette cible. C'est con, j'avais mis mon bouclier. Je ne peux pas l'attaquer. Bravo. Et maintenant, montrez-moi de quoi vous êtes capable contre deux adversaires. Ah non, contre deux adversaires. Je suis hors de portée. Je mets la bulle. C'est trop bâtard. Putain de bâtard. À vous, c'est... À vous... Paladin, moi j'aime bien, c'est juste que j'aime pas le marteau de la justice. Je peux vous aider. C'est n'importe quoi. Je capitule devant votre supériorité. Vous apprenez vite. La Légion attaque, défendez-le. Qu'est-ce qu'il fait ? Aux armes ! La Légion attaque. La Légion attaque, frère. What? Y a un gros attends, boss. Parce que... J'ai 5000 PO, d'accord? Ouais. Et T'as dit ta mère la musique de WoW, par contre, là. Mon système... Son... Moins fort. Wouah, c'est un champ de bataille. Donc je le disais, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit de faire ce que tu voulais, un guerrier, c'est ça? De quoi? Ouais, je t'avais dit de faire un guerrier. Je vais me faire un paladin. Non, mais je veux dire pour le perso level 1. Ah. Bah on a dit faire deux fufus, non? Je dois m'approcher. Je dois d'abord choisir une cible. Bravo quoi. Vous pouvez à présent partir au combat. Lorsque vous voudrez passer à l'étape suivante, explorez votre grimoire et votre arbre de talent pour voir quelles autres capacités sont disponibles. Pour l'Alliance. Griffon violet rapide. Invoque et envoie un griffon violet. Ah ouais. Et je vois pas. Prendre le griffon à l'arrière du vaisseau. Ah. Va plus vite, putain. Oui, c'est ça, donc attends, parce que l'assemblement du stuff. C'est pas chasseur de démons, moi, c'est. C'est. En fait, c'est 500 euros, 500 PO la pièce. Et c'est 600-700 à peu près pour l'arme. Il y a moyen que je te la paye ton truc, hein. Ah oui, c'est moins cher que ce que t'avais dit. Oui, c'est moins cher que ce que j'avais dit. T'avais dit plus de 1000. T'as dit 5000. Non, c'est ça. Bah non, mais 5000 c'est quand tu veux le monter level 90. Je suis sur les îles brisées. T'es sur les îles brisées là? Je suis sur un bateau. Ah merde, c'est les quêtes de. Oh, fais chier. Comme une odeur putride. Mais t'étais passé ailleurs le vent là. Quoi que ce soit, nous allons droit dessus. J'étais sur un truc volant et je suis passé aux îles brisées. Casse-couille. Très casse-couille. Je crois qu'on a fait un panneau. Mmh. On a fait une très très grosse ferme, je crois. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai un bébé Winston. Attends, je réfléchis. Comment je peux te donner ton stuff, Eric? Parce que je peux pas te l'envoyer comme ça par la poste. Hein. Ah, on t'a un peu attaqué par les. Bon, bah là, ton truc, ça va prendre la base de temps.
par la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une immense source d'énergie gangrenée. Comment faire? Comment je faire? J'ai jamais vu ça. Bah, y a une des solutions qui serait que tu. Ouais, mais non, parce que. Oui, j'allume la cinématique. Ouais, oh, déjà. Je suis en chambre de malade. Oui, c'est le bordel. Phase 2, le grand débarquement. Oh, mais je pense une fois que j'aurais fini les phases, je sens. Ça prend 3 heures. Juste à temps. Ah. Nous avons peut-être les chances de percer leur. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je suis pas très enthousiaste en fait. Enfin, enthousiaste. C'est maintenant ou jamais, Gêne. Alliance! Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut percer les lignes des démons. Il va falloir que je perce les lignes des démons. Panelier, ouvrez le feu. Ah bah attends, je vais ouvrir à mon chat. Soldats, chargez. Ne laissez pas atteindre les flèches. Si on les élimine, je parie qu'elles vont s'effondrer. Re. Toujours là? Comment tu as passé? C'est pas très difficile ici. Sur vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent de d'entretenir les structures. Encore deux. Non, gros seigneur. Ouais. Ah, le cadeau. Ah bah c'est ma bulle. C'est quoi, j'allais défoncer les autres monstres, hein, c'est simplement. J'ai trouvé un plan. J'ai trouvé un plan. Genre c'est en fait tu te crées un humain, on va l'appeler de la poste. Parce qu'en gros je vais lui faire de la thune à ton humain, ok? Il va acheter le stuff héritage. Après, quand il a acheté, tu l'actives. Et tu supprimes ton humain et tu vas faire un perso hors 2. Et le moment, le stuff, tu l'auras toujours. Le rivage nous appartiendra. Par contre, j'ai dit, ouais, bah c'est bon, je suis assez fort pour faire les ennemis là. Tout seul contre 50. Je te dis quand je suis au spawn des humains, et quand j'y suis, bah tu déco et tu crées un humain en mode YOLO pour que je donne des PO. Mais ça va être niveau 1. Très bien. Mais je sais. Mais je m'en fous, je lui donne des PO, tu me suis jusqu'à Forge Fer. Et quand on sera à Forge Fer, bah dans ces cas-là, bah je vais te, tu vas acheter le stuff héritage. Et tu pourras créer ton hors 2 avec le stuff héritage. Je veux pas gagner, mec, t'as vu ta vie? Non, je veux pas gagner. Non, mais de toute façon, ce jeu, quand tu meurs, t'es pas vraiment mort, tu vois. Parce que dans le passé, t'étais en vie, du coup, tu reviens du passé pour aller dans le futur, est-ce c'est n'importe que tout quoi. Le monde va bien?
Que tout le monde va bien, bah écoute. Nous avons perdu beaucoup de valeureux. Phase 4. En fait, c'est juste un petit scénario de début. Nous les pleurons plus tard. Nous devons avancer avant que d'autres démons. Non, je te jure que ça prend très longtemps. D'accord. Ah. Bon bah j'ai fini le combat, le gros combat, et là on va partir, je sais pas où. Du coup, je déco maintenant. Ouais. Décollection. Décollection dans 20 secondes. Les troupes de variants ont dû arriver de l'autre côté de cette colline. Espérons qu'ils aient eu plus de chance que nous. Je n'avais jamais vu des démons progresser aussi vite. Moi non plus. Quelque chose a changé. La Légion n'est plus celle que nous avons combattue autrefois. Bon, du coup, voilà. Du coup, je crée encore un personnage. Un humain. En mode YOLO, tu t'en bats totalement les couilles de ce que tu fais, ok? Personnage. Je vais faire... guerrier de base, hein, sans mal les couilles. Je vais faire une femme, tiens. Oui. Appelle la fellation. ou la vagina. Voilà. Et mon chat, il joue au jeu. Ce nom convient déjà un genre nul. Quoi? Ils ont dit que ce nom contenait des trucs injurieux. Des termes injurieux, ouais. Vagina. Tu t'imagines ou pas le mec qui a été payé 2000 euros par mois juste pour faire une liste des noms injurieux. Mec, vagina. Vaginette. Appelle-le Alux Valgus. Alux Grocus. Valgus. Alux Grocus. Les noms peuvent exclusivement contenir des lettres. Ah oui, faut que je fasse un peu. Alex Crocu. J'ai écrit Q et c'est US pour que ça passe. Voilà, je suis level 1, j'entre dans le jeu. Léoric, il est où à peu près? C'est qui Léoric? C'est pas un personnage. Ah, lui! Ah non, mais. Non, c'est Diablo. Mais il a un héros dans le temps, déjà. Ouais, t'inquiète pas, il est dans le jeu. Hein. Mais les personnages légendaires dans ce jeu là, tu les verras deux fois. Hein. Deux, trois fois. Et le Rick est là. Ouais, mais normalement, tu sais, ils vont chanter et c'est la mort qui m'a assassiné. Oh ouais, yeah. Par le retour de oui, ils meurent tous en fait, mais ils ressuscitent parce qu'ils viennent du passé et qu'ils vont aller dans le futur. Les fiers humains de Hurlevent. Oh, ouais, ils sont cinématique, wesh. Contre le funeste roi Lich. Voulez-vous annuler la cinématique? Oui. J'ai pas le time. T'as cru que j'allais t'amnéser. Bon, je peux me barrer. Ah non, faut que je parle à Maréchal Backbraid là. Non, tu peux te barrer, t'inquiète. Ok, je me barre. Appelle-moi ton nom, s'il te plaît. Alux. Alux Grocus. En gros, A-L-U-X avec un A majuscule, après tout attaché, c'est G-R-O-S-C-U-S. Alux Grocus. Lolozo. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas allé à la garnison toi? Bon, attends, j'arrive. Tu me vois pas sur la map? C'est loin. C'est où? Loin entre parenthèses parce que je vole sur un espèce de poney Ghost Rider que je pourrais très bientôt offrir parce que je l'ai acheté 20€. Okay. Non, mais vraiment, par contre, je peux te le donner si je veux. Ah, je te vois, attends. Oh, salut. Damn. Les gens m'ont badass. C'est ça ton chasseur de démons? Il est badass, hein. Ouais, c'est ça, chasseur de démons. Putain, il est trop cool. Et regarde, j'ai d'autres montures, genre ça par exemple. Putain, trop bien. Regarde, ils sont en mode vol et tout. Wouhou. Sinon, j'ai ça. Wow, ça c'est cool. Ah putain, bravo. C'est ça la dragon cristal. Attends, là. C'est ça mon dragon cristallin, hein, ouais. Sinon, j'ai la même chose en bleu. T'aimes bien?
T'es level 110. Ouais, bah, de toute façon, un jour, j'y arriverai. Hein. Et sinon, j'ai ça, si tu veux. Ça, c'est swag. En fait, je comprends pas ce que tu penses. Ouais, ça, par contre, c'est super classe. Mais en fait, je veux que je fasse quoi, en fait, j'ai pas envie. Du coup, faut que tu me suives. Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, faut que je me mette à pied, parce que sinon, T'as une monture. T'as pas de monture. Non, j'ai une mascotte. Oui. Tu veux voir un combat? Ah si, 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 je vais griffer. Non, un combat. Hein? Que les ogres combattent! Je suis prêt à vous voir. Hein? Tu vois les deux ogres? What? Ouais, c'est un jouet. Oh, badass. Ouais, tu peux faire des paris et tout. Bah, je préfère celui qui a la même chose. Ouais, c'est lui qui va gagner. Bon, on s'en fout, vas-y, suis-moi. Tu as montré ça un autre jour. Là, on va hurlevent. Attends, faut d'abord que je te donne les PO. Salut, je suis le bandage, hein. Alors, échanger. Oh. 4000. Oui. Ok. Oh, bah oui. Allez, mec, il me passe 4000 PO, tu es désormais le level 1 le plus riche du monde. Le mec il commence à la 4000 PO. C'est... Normalement, tu sais, quand t'es level 1, t'as plutôt des cuivres que des PO. Parce que tu sais, 100 cuivres est égal à 1 argent et 100 argent est égal à 1 PO. Ouais, je parle dans beaucoup d'ennemis. Ah oui, puis ça, t'as pas vu ça aussi, regarde. Oh. Ça, et tu veux voir ma transmo? Transformation. Oh. Oh. C'est classe, hein? Oh, je m'incline. Ah, j'aimerais bien avoir une monture, quand même. Et genre, je peux faire des trucs genre comme ça. Attends. Oh, mec, il dash à la fin, quoi. Moi, j'ai double dash et tout, je peux faire un temps. T'as la Légion? Enfin, t'as un trait. Ah non, non, non. Je suis un ennemi de la Légion, moi aussi. Ouais, ça, t'es un trait de la Légion. Et là, je suis un fantôme. Avant, tu faisais partie de la Légion, t'étais un... Non, non. Ça a jamais été ça. C'est en gros Illidan, il a toujours chassé la Légion. Regarde là, y'a un mec comme toi. Ah, qu'un level 110, c'est un chevalier de la mort. Ouais, il est classe en parlant. Oui, bah, c'est une monture super compliquée à avoir, ça par contre. C'est Sin Dragosa. Et il est comment? Bah, il a tué la monture du roi Lich. D'accord. Okay. Et il a eu beaucoup de chance. C'est moi qui est tombé sur une bonne game. Ninja! Regarde, j'ai même des shurikens qui volent. Attends, j'ai quoi d'autre? Bah ouais, mais après il me faut une cible pour que je te puisse te montrer le reste. On prend le griffon. Est-ce que tu peux avoir accès à Hurlevent plus le griffon? Salutations. Forge fer, Karanos, carrière de Golden. Ah bah forge fer, va forge fer, va forge fer. Faites un bon. Ça coûte 40 du cul si tu veux. C'est super ça, on peut direct aller à forge fer. Putain, ça m'évite un putain de trajet avec toi là. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas acheter ton stuff, du coup maintenant c'est le moment où tu vas décider en fait ce que tu vas faire entre ce que tu veux faire en fait. T'as le choix là, c'est le dernier moment. De quoi? Bah en fait là tu vois, vu que tu vas acheter ton stuff et que t'auras assez pour acheter un équipement total pour une seule classe, c'est le moment où faut pas justement me dire un truc du genre non mais fais ce qui t'arrange le plus, là c'est le moment où tu peux faire ce que tu veux là. Pourquoi? Ça fait quoi en fait? Bah, tu vas devoir choisir un stuff spécifique à une classe. Genre celle de paladin, quel niveau ça? Oui mais il le fait pas parce que t'as déjà un paladin. Oui. Ce serait con d'en refaire un level 1 tu vois. Ah il faut que je prenne celui que je veux faire. Mais tu m'avais dit la classe, enfin tu m'avais dit pas la classe mais tu m'avais dit au moins, déjà la race c'est quoi qu'on prend? Déjà on avait dit mort-vivant. Mort-vivant, donc faut que je regarde ce qu'il y a comme, classe dans mort-vivant. Je peux te dire les classes qui sont fortes quand on est mort-vivant si tu veux. Fufu. Fufu c'est fort ouais en mort-vivant. Bah... Ouais. Toi tu prends quoi déjà? Démoniste. En mort-vivant. Fufu démoniste ça fait pas mal. Bon ça joue fourbe quoi, on est très très fourbe. Ça fait mal. Bah en fait démoniste je vais pas être très très utile avant le level 80, truc du genre tu sais.
J'ai pas la masse de dégâts, hein, entre nous. Toi non plus d'ailleurs en fait. Bah oui, comme beaucoup de personnes. Non, c'est loin. C'est quand même dépêchant un peu. C'est-à-dire que moi en monture j'irai beaucoup plus vite, sauf que là j'ai pris la même monture que toi pour arriver un peu avant. Enfin un peu après, mais bon, en même temps que toi quoi. Là je traverse une montagne de lave là. Gorge des vents brûlants. Mais mec ici tu vas. Pardon. Tu vas limite te croire dans Seigneur des Anneaux ici. Oui bah ça ressemble. Tu les as vu les statues ou pas en plein milieu du lac de lave? Non je. Oui. Oui ça ressemble quoi. Ça faisait penser tu sais au roi. Au roi. Ouais. Ah, une sorte de montagne. Il y avait une montagne et je crois que c'était pas. Non, j'allais dire les nains, mais oui, je pense que. Attends, Doran. Les nains. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux que je l'invite dans le chat? Il m'envoie plein de points d'interrogation. Tu veux que je l'invite dans le chat ou pas? Du coup, je t'attends. Non, c'est toi. Bah, tu veux comme tu veux. Bah, je l'invite. Allez. Ah, ça manque. Ah, il m'a envoyé un message sur Skype. Bonjour. Bonjour. Du coup, si tu sais pas, Nathan, je suis en train d'acheter le stuff héritage de Jules. Attends. Ah, Jules, il a lâché une caisse. Non, c'est... non je déconne. Non. Non, Nathan, qu'est-ce qu'il se passe? Nathan vient de finir de se branler. J'achète le stuff héritage de Jules. Oh. Ok, je m'achète mon abonnement et puis j'arrive. Non, je déconne. C'est toujours bon. Non, Nathan, non, mais que je viens juste de rentrer chez Nathan moi. On vient de finir de se branler. J'achète le stuff héritage de Jules. Kiné, donc. Ok, je m'achète mon abonnement. D'accord. Bah, vas-y, va faire ton truc. Ah, je suis à la grande forge. Bon, Jules, on commence sans lui, puis on finira sans lui, puis on l'abandonne au pire, dans la SPA. Non, mais j'ai fini dans deux minutes. Hein. Non, parce que j'ai envie de t'abandonner à la SPA, parce que c'est super cool la SPA. Tu me suis du coup, Alux Crocus. Oui, ma queue scorpion ou pas? Ah, bien. Ça va bien que t'es bon. Voilà, déjà que tu vas te calmer, c'est des glaives. Mec, n'importe quoi. C'est des glaives. Mec. Mais putain, mais c'est des glaives de guerre. Des glaives, c'est un manche. Mais connard, mais je te dis que c'est des glaives. C'est des frisbees. Il y a marqué glaive de glaire Illidari, donc tu vas pas me dire le contraire quand même, fais pas chier. Ça marche, c'est pas. Attends deux secondes. C'est par quel côté? Non, parce que là, si c'est là le tram. Oui, faut aller par là. Parce que si tu savais pas, il y a un tram intercité ici. Wesh. On arrive à quand? Ah non, mais là on est déjà arrivé, hein. C'est juste que je te dis qu'il y a un tram. Vous êtes où là? Ah, on est à Forgefer. La capitale des nains. Ah bon? Bon, en fait, il y a des nains partout. Oui. Vous êtes déjà. Ah, mais ça peut... Je suis mieux comme ça quand même, hein. En fantôme? Fantôme démoniaque. Ah, ça va. Mais t'es bien, t'as pas normal. Pas comme ça? Ouais. C'est badass à vous, hein. En plus j'ai pris 1m50 là. Eh hey, mais attends, je vais te montrer la même chose en version tank, tu vas voir ce que regarde, tu fais. Il y a un guerrier là. Oui. Level 100, c'est une grosse merde. T'es prêt ou pas à avoir la même chose en version tank? Hein? Et donc vous êtes sur WoW 1, c'est ça? Non. Oui. Ah. Non mais oui, WoW A c'est le... Ah, oui. Regarde, t'es prêt. Et regarde version tank, mec. Oh putain, oh la vache. C'est badass, hein. Oh mec, surtout le derrière. Quoi. Mec, tu dois faire tellement mal comme ça. Là, vous avez fait quoi pour l'instant? Pour l'instant, à part créer le perso. Enfin, à part créer mon perso et voilà. Du coup, Donc, du coup, tu peux parler. Attendez, deux secondes. J'ai rien compris. Là, on fait quoi? On crée notre personnage avec le sésame, c'est ça? Oh, toi, t'es parti trop loin là. Non. Tu crées un perso de merde. Tu crées un humain de merde. Ouais. Et ouais. Après, je viendrai te chercher. Mais va, t'es déjà sur le serveur Archimonde au moins? Oui, t'es sur Archimonde ou pas? Attends. Ok, bah déjà, attends, parce Archimonde, que du coup. J'y suis. Merde, j'ai. Ah,
tu crées mais un perso de merde. Sinon j'ai mon démoniste moi. Mais t'es sur Archimonde. Oui. Et t'es sur quelle faction, Alliance ou Horde? Alliance. Et bah c'était la Horde qu'il fallait choisir, désolé. Mais non, mais j'ai pas encore créé de personnage, mais je me suis connecté à mon personnage, donc faut que je bah, me crée un mec, un humain, tu l'appelles merde, comme tu n'as rien à foutre. C'est juste pour donner du stuff héritage et parle plus parce que je dois coopérer avec Jules pour acheter le bon stuff là. C'est très compliqué, faut pas qu'il se trompe. Non, ça fait plus rire. Sinon, je pas. Ça fait mal au cul, hein, 500 balles en rien. Oui. Bon, du coup, Jules. En vrai, c'est moins cher que ça avait dit. Oui. Bah, du coup, Jules, tu veux un fufu, c'est ça? Enfin, on fait un fufu pour toi parce que c'est avantageux quand t'es. Bah, ouais, puis ça sent pas mal. Si ok, bah alors maintenant, tu vas parler au nain là. Ok. Le nain à qui je lui parle, ok? Salut. Et maintenant, oh. Tu mets. Ok. Là, tu vois, au-dessus, il y a une petite flèche en dessous de la croix là. Oui, guerrier. Ok, je cherche. Et tu cliques dessus, tu marques tout. Toutes les spécialisations. Oui. Non, tu choisis, tu mets tous. Ah, tous. Ok. Voilà, tous. Ça, tu pourras tout voir. Et alors maintenant, je vais te montrer ce que tu dois acheter. Donc, attends, je me déplace. À très bientôt. Bien. Je vous écoute. Alors, attends. Ah oui, donc déjà, tu vas acheter une tunique sombre russe tachée, ok? Sombre russe taché. Ni sombre russe taché. Ça te donne de l'agilité, de l'endurance et du critique. Du oui. Sort de critique. Ok, oui. Bah tu l'achètes. Oui. Voilà. Bien. Maintenant tu t'achètes. Comment ça s'appelle cette merde? Alors attends, parce que je dois chercher la dague. Demain, non, c'est pas ça. Championne en vrai argent reforme. Oui. Attends deux secondes. Achète un crève-cœur équilibré. C'est quelle page? C'est page 5. Okay. Crève-cœur équilibré. Oh, 650. Ouais. Mais je te dis, il y en a qui font mal au cul quand même. Ouais, y en a un, il fait 700. Ouais, c'est l'œil de la bête. Maintenant, tu t'achètes. C'est quoi ça? C'est un stuff héritage, mais ça donne pas de level up en plus, ça non plus, donc t'as pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut acheter d'autre déjà? Et les épaulières peut-être. C'est des levels. Ah, 60. Achète déjà. Des sapliers sombres russes tachés. Sapliers. Il y a tellement de trucs. Sapliard de Vaillance Pauline. En fait. Non, Sapliard tombe russe, acheté, c'est page 1. C'est en bas à gauche. Oui. J'achète. Voilà. Maintenant, il doit y avoir un Ben. Il y a pas de Franck ici. Je crois qu'ils sont séparés en plusieurs vendeurs. Il doit y en avoir un autre à côté. Oui, parce que là, il n'y a pas de Franck. Surveillez vos arrières. Il y a pas de pantalon, lui. Attends deux secondes, fils de pute là, vends des pantalons s'il te plaît. Ta gueule, tu vends des pantalons, allez t'as pas le choix. Vends un pantalon. Vends des... Attends, je vais regarder si moi j'ai des pantalons, parce que si moi j'en ai normalement, héritage. Ça se trouve il y a pas de pantalon, il y a... Alors maintenant si je mets héritage et que je mets voleur. Oui j'ai un pantalon moi. J'ai une cape, un casque et un pantalon que toi tu n'as pas. Et la cape non plus. Non, t'as pas le pantalon, t'as pas la cape et t'as pas le casque. J'ai une question. Aller... Ouais. Oui. Là, je suis sur la création du personnage. Qu'est-ce que je dois faire en fait concrètement? Un personnage de merde. De la merde. Un humain de merde. Tu fais un humain en modulo. Bon, du coup, Jules, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre qui te vende le reste. Bah, ce serait cool en fait. Je sais pas où est-ce qu'il est ce FDP. Fils de pute, vend autre chose. Oui, toi. Attends. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils vendent pas. Hein. J'avoue, c'est bizarre. Ils vont. Je viens de créer un humain guerrier. Ouais, ouais. Oh, c'est bizarre, Jules, il a fait la même. J'ai fait une humaine guerrier. Du coup. Il s'appelle YOLO. Ah. Ah, tu es vraiment fait un nom de merde, toi, par contre. du coup, Jules. Bah, pire, je cherchais sur internet. C'est ce qu'ils disent. Pour le pantalon?
Voilà, je dis où acheter pantalon d'héritage. Ok, bah va sur internet, moi je vais regarder s'il y a pas des gens à côté qui en vendent. Et moi je fais quoi? Toi, tu va ailleurs le vent, toi. C'est où déjà ça? Île brisée, je sais pas, non? Non, du tout, non. Appuie sur M, ça va t'afficher la map et là tu vas Hurlevent. C'est où Hurlevent? MMTC. Où trouver les équipements héritage? Pantalon. Non mais c'est sérieux, c'est où Hurlevent les mecs? Mais putain, mais on te dit d'appuyer sur M et après et tu regardes où M. Bah ça va t'ouvrir une map. Bah tu cherches. Bah ça va t'ouvrir. Azeroth. Oui, Royaume de l'Est. Voilà. Ah, c'est chez le vendeur de guild, apparemment. C'est Forêt d'Elwyn ou c'est où? Et normalement, t'as une sorte de petit château qui s'affiche en dessin sur ta map. Ouais. Bah, du coup, suis-moi, Jules. Vendu par. Ouais, c'est les vendeurs de guild. Ouais, bah ok, suis-moi, je sais où est-ce qu'ils sont, moi. Ouais, attends, ferme, attends, je t'arrête. Hop. Hop, on y va. Du coup, faut d'abord que je t'invite dans ma guilde. Attends. Putain. Oh, non, c'est pas la peine. C'est un câble. Je suis satanique. Respecte-moi, je suis dans le feu. Ok, c'est par là, suis-moi. Okay. Et nique ta mère parce que respecte-moi déjà, voilà. Ouais, ouais, bah. Ah hein? Tu vois ça arriver dans la rue, ok. Tu vas te calmer, hein, parce que. Voilà. Est-ce que j'inspire le respect ou pas? Je peux confirmer pas. Putain, c'est badass. Genre, tu te transformes que à moitié. Genre. Ouais, juste pendant le temps du trajet, ouais. C'est vrai que rien qu'avec tes sorts, t'as l'air de faire mal. Ça fait très très mal en tank, c'est. Oh, cool. J'en ai marre. De quoi? Je trouve pas Hurlevent. What? Normal ça? De quoi? Tu te dépiques dans le dos. Ouais, c'est un sort. Ah d'accord, c'est vrai que t'allais dire, ouais, c'est bugué entre le temps. Bah et écoute, Nathan. Oui. Tu vas sur la map, tu vas dans Forêt d'Elwyn, la zone Forêt d'Elwyn, ok? Oui. Et t'as un putain de giga dessin de malade mental, de château, avec marqué Hurlevent dessus. Non. J'ai compté du nord, mais c'est tout ce que j'ai. Hein. Et bah, compté du nord, c'est. Tu suis le chemin vers Comté de l'Or, et quand t'es à Comté de l'Or, tu suis le chemin vers Hurlevent. Ta. Faut que j'aille sur le. Je vais faire une dépression, je crois. Moi aussi. Tu m'as perdu là, Jules. Hein? Le petit point sur la map, c'est moi. Ouais, t'inquiète. Et MDR, je trouve pas les Hurlevent, c'est un truc de malade. Je suis au début, mais je trouve pas, ça me pète les couilles. C'est bon, j'ai trouvé, c'est lui là, le nain de merde, vendeur de guide. Ah, du coup, je fais tous. C'est normal que je vois rien. Ah merde, c'est vrai que t'es pas dans une guilde toi. Adieu alors. Faut que je t'invite dans une guilde. Attends, je vais arranger ça. Bon, ma guide elle est morte. Ah, faut que je trouve quelqu'un d'autre là. Ah oui, en plus je suis le seul membre de ma guilde. Ah bah super. Bon, on fait une guilde à zéro, on dirait. État de la guilde. Je suis tout seul. Ouais, ils m'ont tous abandonné. Ah, ouais, je sais que ça fait 2 mois que je me suis déco les gars, mais quand même, hein, abusez pas quoi. Genre, voilà quoi. Hein.
Bah, ils ont eh, j'ai même pas le droit de quitter en plus, putain, mais faites-moi chier là. Toi, faut que je paye une amende si je quitte la guilde. Bah, j'en ai rien à foutre. Allez hop. Mais mec, t'aurais dû m'inviter dedans. Je pouvais pas. Ah. Alors, ils m'ont laissé tout seul dans la guilde, mais ils m'ont laissé en mode gros fils de pute. Soldat juste, c'est pas chef, tu vois. Genre. C'est ça. Voilà, donc j'aime faire plein de trucs le week-end et en semaine. Voilà, je suis dispo tout le temps. Consulter les guildes, je t'invite, je demande partout là. Oui, je t'envoie, je te demande, je te suce, tout ce que tu veux, mec, mais. Un livre pour V2 cap, non. Bon, maintenant, si tu reçois une invitation de guild du genre, t'acceptes direct, hein. Mais pas pour l'instant. Je rigole, c'est pas la scène, je rigole, c'est merde. J'en ai rien à foutre là, j'ai plus de guild, mais si tu trouves, si t'as une guild qui te demande, t'acceptes direct, ok. Ok. Et après, je la quitte. Non. Pas forcément, tu peux rester dedans. Ah, bon, du coup, tu veux que je te montre deux tours de magie ou pas? C'est bon, je suis en levant. T'es en levant? Ouais. Ok, maintenant, faudrait que t'ailles sur Internet. Et que tu regardes un tram. Tu regardes sur Internet le tram qui va de Hurlevent à Forgefer. C'est où ça? Bah, tu cherches sur Internet. D'accord. Faut que t'ailles voir sur Internet pour parce que c'est trop compliqué à décrire. Tu dois tourner trois fois autour de toi. Je tape quoi du coup pour Tu tapes tram de emplacement du tram Hurlevent Forgefer. Wow. En place. Et regarde, t'es prêt à voir mes pics? Jules. Regarde, t'es prêt ou pas? Ah mais attends, faut que j'ai de la rage. Tram. Voilà, regarde. Attends, on va falloir. Regarde, déjà, je peux cracher du feu. C'est pas vraiment du feu, c'est. Enfin, c'est un truc spectral. Ouais, c'est du grand gros feu. C'est vert, quoi? Forgefer. Ouais. Regarde maintenant, mais pique, t'es prêt ou pas? Pique. Et ça fait quoi les piques? Ça rajoute quoi? Ça me protège. Ça s'appelle le tram des profondeurs, c'est ça? Ouais. Ça augmente de 20%. Ça réduit mes dégâts de 25% et ça. Par mes... Ça augmente mes chances de parer de 20%. En fait, ça te baisse les dégâts, mais par contre, ça augmente. En gros, ça protège. Ouais, ça augmente mes dégâts et ça baisse ceux des autres. Ah, non, d'accord, je crois que ça fait. Bah, c'est pété. Enfin. Là, ça explose au bout de 10 secondes. Ah non, au bout de 5 secondes. Voilà. Bon, y avait pas de début, du coup, ça peut exploser. Ça, c'est mes auras. Les auras, en gros. Ah, bah, c'est. Ça là c'est là je sais pas si tu vois mais en fait là je peux voir tous les invisibles. Non je vois pas. Du coup c'est pour ça que je marche bizarrement. Allez, on va da-lam. C'est ça. maintenant je vais faire la même chose version Attends spécialisation, je mets mon DPS et je te montre les autres sorts. Oh regarde, alors attends parce que moi j'ai Qu'est-ce que j'ai à te montrer? Ça? Regarde, ça permet de me cacher. Okay. Mais moi, si je suis dedans, ça me cache. Ça cache que moi. Ça, c'est mes shurikens, tu les as vus tout à l'heure. Ok. Le reste, je peux pas trop. Bah, si, là, c'est ma vision spectrale. Donc, ça, tu connais, ça stun en plus. Et là, je vais très mal, c'est ça? Ouais. Ça me permet de subir moins de dégâts. Et le reste, je peux pas l'utiliser si j'ai pas de cible. Mais en fait, c'est hyper pété, genre, enfin. Rien que tout ce que tu montres là, ça a l'air bien badass quand même. Genre en PvP. Bah alors, regarde là, je suis bien badass là. Oui, mais ça doit faire très très mal surtout. Ouais. Mais t'as plus de chance de te faire aggro parce que t'es trop badass, du coup, les gens ils sont jaloux. Alors, je suis dans le quartier des nains maintenant, faut que je cherche le. Cram. Bon, du coup, on doit attendre que. Que tu trouves une guilde. Pas mieux que j'aurais fait. Bon, si j'avais fait. Ah ouais, mais faut que t'achètes le pantalon et c'est important. Il te reste combien de thunes là? Ouais, 2349 PO. Ça t'a fait mal au cul. Ils vont t'enlever encore 1000 PO là. Ouais, ça fait mal. Bah attends. 600... Quoi... Ah non, ils vont t'enlever 1500 PO. Ce qui te manque 3 trucs. Bah après, le casque, la cape. Le casque, la cape.
Est-ce que ça coûte de l'argent d'utiliser le tram? Non, c'est gratuit. Je suis devant, j'arrive. Ouais. Et reviens parler à lui là. Appuie pour vous. C'est sûr qu'ils te font rien? Non, j'ai mis tout, il y a rien du tout. Pourtant merde, moi je suis plus dans une guilde et il me propose encore des. J'arrive. Je suis le tram profond. Ouais. Bah, du coup, attendre que le tram il arrive, c'est ça? Ouais, je viendrai te chercher et t'amener là où est Jules. Attends, bah va le chercher ça. Je vais le chercher, attends. Hop. Salut Jules. Attends ici Jules qu'il y a une guilde qui trouve. Faut que je trouve une guilde. Au pire, je veux pas genre masquer dans une guilde qui est ouverte, ça. Y a pas de guilde ouverte. Ah. Et tu t'appelles comment toi Nathan? YOLO. Appelle-moi s'il te plaît, comment tu l'as écrit? YOLO. C'est un grand Y normalement. Le Loser. Il a fait un barbu roux. Et il part roux. Ah mec, t'as fait un roux, je te parle même plus. Non mais j'ai même pas fait de roux. Ah si, il est roux hein. Ah non, il est grisonnant. Il est d'accord avec moi, Julie, il est roux hein. Oui, pour moi il est roux, mais bon. On est tous d'accord pour dire qu'il est roux, Nathan, t'es tout seul. C'est un tavernier roux. Bah tu vas voir quand je vais arriver. Bon, je t'attends à la sortie du tram des profondeurs. Je viens juste de le prendre. Je sais pas où est-ce... Jusqu'où est-ce que ça m'emmène. Ah putain, faut qu'on trouve une guilde, là, fait chier. Je peux pas leur demander, attends. Bah vas-y, demande. Tu leur dis que c'est pour Stuff Heritage. Faudra faire la même avec moi. Oui, il va falloir. Non, parce que s'il y en a un qui est dans une guilde, c'est bon normalement. Bah non, parce que nous, ça va pas manger. Du coup, moi, faut que je prenne quoi comme Stuff Heritage? Bah... Et tu veux faire quoi, en fait? Bah, j'hésite encore, mais je crois que je vais prendre Chasseur. Bah, t'aurais une araignée comme animal. Pourquoi une araignée? Pour faire un mort-vivant. Ah, on fait plus de... Dépêche-toi de sortir. Voilà, merci. On fait pas de panda, ouais. Panda rien. Regarde ma réponse. Voilà. Mais pourquoi on fait pète en arrêt? Regarde ma réponse. Voilà. T'es bien. Regarde ma réponse. J'essaie de vous regarder de loin. Bah sinon t'en penses quoi mon perso Nathan? Il est classe ou pas? Bah comme toujours. Je te rappelle que je l'ai déjà vu dans le perso en fait. Enfin, je mesure quand même 2 mètres. Hein. Ça va, bon. Bon, plus maintenant, mais bon. Je te suis. Pourquoi je peux pas avoir le griffon rapide? Échanger. Et je vais me ruiner par contre, là, ça va être chiant. 2000. Je peux pas avoir le griffon, je crois. Je l'ai dans ma collection de monture. Mais... Jonathan, ça me fait plus mal au cœur que de donner un billet de 5 en 20. Bah, tu m'étonnes. Je vais en glisse de métamorphose monumentale. Non, mais je veux une guilde. Bah, demande aux gens, hein. N'hésite pas, j'ai fait, j'ai monté dans le shot général. Donc, je fais quoi? Tu me suis. Vas-y, je te suis. T'es très chiant à faire bouger partout comme ça. Maintenant, tu parles aux roues là, cette espèce de gros. Ouais, t'es un maître de guilde. Attends. Il faut que je fasse quoi du coup? Tu achètes du bon stuff, donc attends, tu vas attendre que je te dise quoi acheter. Ok, j'attends, je touche à rien. Puis-je former une guilde? Attends, je peux créer une guilde, je crois. Attends. C'est payant. Ah, former une guilde. Payant. Il y a le mec de guilde. C'est cher. Attends, je tire. Mais il n'y a pas d'arc ici. Arc ancien en os charmé. Faut que t'achètes ça. Alors. Arc ancien en os charmé. Page 4, à droite. Attends. Ça y est, attends. Commerce.
Archie, Family, Guild ayant un an recrute. Attends. Prio, Hersham, hein, un micro. Donc tu me dis celui qui a plus 3 d'agilité, plus 3 d'endurance, plus 3 de hâte, ça. J'ai pas les mêmes statistiques que toi, mais bon, on s'en fout. Il s'appelle Arc-en-ciel en eau charmée ou pas? Oui. Niveau de... Coût de 750 PO ou pas? Ouais. Bah achète-le. 750 PO, putain, mais ça fait mal au cul, hein. Waouh. Attends, je disais plus. Du coup, il y a une guilde là qui recrute. Bah accepte. Bah enfin, elle m'a pas invité, mais elle a envoyé dans le chat qui a recruté. Ok, je reviens. Attends, tu peux aider Jules, je reviens, ma mère m'a appelé, je dois faire un truc. Ça prend 2 secondes. Ok. Ouais. Ça me fait chier de dépenser de l'argent pour un mec qui jouera pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu bon. Pas grave, on formera comme des porcs. Ouais. Mais le problème, c'est que là, j'aurais passé d'une pour vous deux, en fait. Oui. C'est pas mal. C'est quoi, lui dis pas que t'as de la thune en plus que lui, ok? Bah non, je suis pas bon. Eh, Nathan, en fait. Non, mais parce que ça va être chiant, hein, parce que s'il va falloir que je retrouve de la thune, je vais être complètement fauché et c'est pas le but, hein. Comment s'appelle la suite de kit qui permet d'avoir les. Mais donnez-moi juste un héritage. Si, c'est une voleur, je crois. Elfe de la nuit, voleuse de niveau 77. Ah, c'est pas mal. Elle a des dagues en feu. Joli. Elle est badass. Et elle a fait du stuff héritage. Mais Vent, serviteur de Gronius, 160k. Moins cher qu'à la jouer. 160k ça veut dire 160 000 PO. Oui, c'est bien, ça me semble aussi. Ouais, ça fait mal au cul et j'ai pas envie moi en plus, hein, parce que c'est un putain de jouet en plus. Ah, mais c'est une monture. Ah. Ah non, mais si c'est la monture, c'est une grosse quenelle, il vaut 50k à HV. Il est con lui. C'est le mec moins cher qu'à la HV, il vaut juste 3 fois plus cher, hein, tout va bien. C'est quoi ça? Putain, mais c'est sérieusement, y'a rien qui recrute là. Ouais, ils sont chiants pas recruter là. Attends, je vais. Y'en a un qui a recruté, mais genre il a pas répondu, il faut savoir. Mais... Mmh. Non, toi tu me dis oui, mais tu me dis rien, tu me dis pas rien. Je peux provoquer au duel quelqu'un qui est au 77. Hein, tu peux pas. Ah, tu revends pas, de toute façon. Ça revient à rien, de toute façon, c'est vrai que. Ah, regarde à mon shot. Ah oui, elle veut faire sa gamine en disant moi je suis plus fort, c'est ça? Hein? Non, laisse tomber. Du coup, je vais aller à l'hôtel de création de guild. Je vais payer 100 PO, ça va me faire mal au cul encore, mais au moins on aura une guild, fais pas chier quoi. Ouais, comme ça, voilà, on essaiera de recruter des gens. Ouais, tu me dis où est-ce qu'on crée une guild? Sûrement là, non? Bah là, j'ai un maître des guilds. Viens, là où je suis, là où tu m'as demandé d'aller. Il y a marqué maître des guilds, ça m'a marqué. Que puis-je pour vous? Je désire créer une maison des guilds. A très bientôt. Ouais? Pas deux secondes, je crée une guild. Là, il est. Ah, ok. Un plaisir de vous rencontrer. Je désire créer une bannière. Comment puis-je former une guild? Donc, du coup, faut que j'achète quoi d'autre? Attends deux secondes, je fais un truc swag. Ok, vas-y. Que je nous crée une guild. Je vais faire un peu d'artifice. Non, je... Coûte 10 PO. Ça coûte 100 PO, voilà. Ah, c'est ça, c'est guild. Ça. Okay. Acheter une charte de guild. Ah, ça coûte 10 argent. Je vais l'appeler ce buzzbub. Attends mec, le mec il est en train de me dire ouais ça coûte 100 PO putain. Ouais ça coûtait vachement cher avant. Et là il me dit ah oh, ça coûte 10 argent. 10 argent tu l'as hyper facilement même dès le début quoi, je veux dire. Je pense qu'au niveau 5 tu peux avoir 10 argent. Alors, nom de la guild Buzzbub, chef de guild le loser. Mmh. Membre. Alors Oui je bouge, je suis sûr. Entrée le nouveau nom de guild. En PHP du légendaire en BG. Car c'est BG une... Ma...
Non, c'est du PVE. Attends, je regarde mon journal des guildes. Ah, mais j'ai toujours pas de... Comment puis-je former une guilde, enregistrer la charte de guilde? Il vous faut plus de signatures. Fais chier. Attends deux secondes. Demandez. Comment on fait pour demander? Bouge pas, hein. Non, faut pas que tu bouges. Alors, j'ai mon truc. Demandez signature. Vous avez demandé la signature. J'ai demandé une signature, mec. Ouais. T'as signé ma charte. Il me faut des gens qui signent comme des péons, là. Oh, je vais voir si... Attends, bouge pas, je vais demander en fait, à d'autres ça, gens. Ça coûte pas cher, mais c'est chiant, quoi. Ouais, faut que j'ai la signature de je sais pas combien de personnes, là. Le mec, il va faire comme Fillon. Ah, mais... Putain de con, mais... toi, là, toi. Putain, t'es dans une guilde. Faites chier, les gens. Là-bas, ils sont pas dans une guilde. Vas-y. Les amis, vous êtes où? Attends deux secondes, je suce la queue de main. Moi, je vais se faire une chaise. Bien. Tout ça pour avoir un putain de froc. J'avoue. Putain de merde. C'est important le pantalon. Bah, au moins, on aura deux frocs. Vent, angle de puissance immorale et cap de plume de crin de plume, c'est quoi ça? Faudra aussi m'acheter mon stuff à moi. Ah, moi je suis en train d'acheter. Fais chier, il me faudrait la signature de combien de personnes déjà? 100, ah. Il me faut encore 3 personnes. Oh putain. Attends, vas-y, je cherche un peu. Bah, 2? Non? Bah, non, mais je viens de te faire signer hors plus, du coup il manque quand même 2 personnes. Bah, viens me faire signer. Ça fait. Attends, je vais faire signer une lettre. C'est toi qui as le robot là? Ouais. Trop lol. Mec, c'est trop cool comment il vole. Ouais, c'est fun. C'est vrai qu'il nage. Attends, il faut que j'aille sucer. Il y a un mec qui est dans une guild. Il propose. Une map de Lolita, il s'appelle. Attends, il y a Marina qui m'appelle. Ah, je suis à côté d'un nain paladin. Allô? Nope. Ouais. La meilleure conversation du monde. Ouais. Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. Bah écoute, je te fais un bisou sur la flèche gauche au pire, ça te va ou pas? Ah, dommage. Du coup, demain, soirée mousse. Oh. D'accord. Sauf que j'ai une crêpe au Nutella lundi, au pire. Ah ouais, d'accord. Bah, communique par langage des signes, alors. Ok. Bah, je vais essayer d'apprendre le langage des signes. Vas-y, amuse-toi bien. Vas-y. Ouais, j'ai monté. Ah bah, du coup, elle m'a dit qu'elle me parlait plus. Je lui dis, on va devoir apprendre le langage des signes, quoi. Bonjour, au revoir. Hein? Putain, mais pourquoi je te vois pas sur la map en fait? Je comprends pas. J'étais juste derrière toi en fait. Ah merde. J'étais juste là, j'étais devant toi, il a fait nope. qu'est-ce qui fait que je te fasse faire toi? Faire signer la pétition. Accepte. C'est pas une pétition, ça, c'est une charte. C'est bien de signer les chartes, les gars. Moi, ouais, maintenant, faut que j'accepte mon truc. Va reparler aux roues. Oui, mais je sais pas quoi acheter avec le roue. T'inquiète, je vais te le dire. C'est bon, je suis devant le roue. Alors, attends deux secondes, je me mets en spécialiste son chasseur. Faut que tu me tâches... Qu'est-ce que what the fuck? Bon, c'est pas grave. Achète-toi... Cap... RT du baron noir. Ah non, tu peux pas, je suis con. Attends. Pourquoi?
pas encore. Parce qu'en fait, ça c'est quand t'es dans une guilde. Donc là, je l'achèterai après. Il faut que tu t'achètes des épaulières du champion Hérode. Épaulières du champion d'Hérode. Épaulière du champion d'Hérode, c'est ça? Oui. Mais encore. Mais encore, faut que tu t'achètes une cuirasse de dispensateur de mort de champion. Cuirasse de dispensateur de mort de champion. Ouais. Mais encore. Bah c'est bon, tu l'as fait là. Ouais. Bah c'est tout hein. Il me reste 250 PO. Bah tu pourras pas acheter le cap hein. Donc j'aurai pas tous les staff héritage. Non parce que j'ai plus de thunes. Oh shit. De ton côté Jules. De quoi? T'as réussi à trouver une guilde? Ou faut encore que je suce deux personnes? Eh y'a personne de battre, mais après on en parle dedans. Poursuis-les. Je suis rentré. Je vais chuchoter. Tu veux. Eh hey, j'aime te sucer la bite. Mais c'est un secret, je chuchote. Je peux rejoindre ta guilde pour stuff. Acheter mon stuff héritage. Héritage. STP. Allez, accepte. Allez. Dis que je le file sans PO s'il le fait. Donc moi du coup j'aurai pas tout mon stuff, c'est ça? Ouais. Désolé, pas d'off co. Hein? Quoi? Il est con lui. On parle d'un level. Ah, un mec level 5, faut que je le suce. Là je te suce. Je suis impressionnant avec ma monture. Attends. Monture swag. Lui là? Tiens, bah ça veut dire. C'est un joueur lui? Il est dans une guilde, fils de pute. Bah justement, bah je peux lui dire vite fait de m'inscrire. Ah non. Je vais faire clic droit. Ah, je peux pas chuchoter avec lui. C'est quoi ce mec que je peux pas chuchoter? Ah ouais. Petite entreprise. Je peux rejoindre ta guilde. Juste pour chuchoter. Mon stuff et héritage. Désolé, pas d'offco. Je vais envoyer l'offdeck par contre, tu m'as dit désolé, pas d'offco. Bon. En fait, je crois qu'il y a. Je sais pas. Fait chier un peu, non? Ah j'avoue les gars, je vous... Ah merde, c'est dans 18 minutes que je peux utiliser. Bah je vais activer un jouet, histoire de distraire un peu tout le monde. Coffre à jouer. Oh vous êtes prêts ou pas les gars, je vais me transformer en pute. 3, 2, 1... Oh, la bonasse. T'as vu, suce-moi la... Lèche-moi la chatte, excuse-moi. Tiens, suce regarde, la... photo... Suce-moi la bite. Photobombe. Waouh. Maintenant je me... une télécommande. Regarde, tu vois mon petit jouet là. C'est un tank. Fais gaffe hein, il fait des dégâts. C'est vrai? Ouais. Si t'as une mascotte comme moi, ben on peut faire des dégâts à deux. Mais j'ai quoi d'autre? J'ai ça aussi, la petite luge. Nope, désolé. Putain, mais allez là, ils sont... Regarde trop... YOLO, vas-y, cours. YOLO. Elle est belle ma luge hein. Et j'ai aussi un ballon de foot. Mec, ils refusent tous là, ça me saoule. Mais j'ai aussi un ballon de foot. Attends, tiens lui. Un panda arène. Regarde, ballon de foot. Hey, il est trop beau, panda. Regarde, ballon de foot. Ouais, je joue avec moi. Non, j'ai quoi d'autre? Broyeur de cristaux. Ah ouais, non, mais ça vous connaissez pas. C'est quoi ça?
Chapeau de bisute magique. Oh. Au swag. Salut. Moi je suis swag. Allez, moi c'est le. Wesh. Level, ils vont jamais accepter. Bonjour, monsieur les 110. Oui. Oh, il est swag le pandarène. Déguisement pour le voile d'hiver. Mec, c'est des polyras, ils sont trop classe. Ça marche pas, c'est pas ça. Ouais. Oh, trop balade. J'ai regardé un projecteur. Quoi ça? Souffle volé. Ça me fait quoi? Oh t'as un chapeau. Allez. Accepté les gars, je te suce la bite, je te passe en PO si t'acceptes. Guilde morte. Tu me touches? M'en fous ta guille à soi mort, je veux juste venir vite fait. Acux, Alux. Ouais, il est fuck ce pad. Ouais, c'est un personnage joueur en plus. Mec, c'est un bâton grimoire quoi, pour ça. Ah, mais les mecs sont pas gentils. Grand maître Jinko. Oui, va. Allez. Moi, je suis un banquier. Ça ressemble trop au banquier de Harry Potter. Tu mec, j'ai pas de guilde. Bah, nique ta mère alors. Mais quoi? De quoi? Moi, j'ai une équipe. Il dit qu'il a pas de guild. Ce qui est pas faux en fait. Bah dis-lui Sony la charte au moins. Bah non, ils s'en foutent la charte. Bah ouais. Demande-lui toi. Je sais même plus comment on fait 2 secondes. Attends. Lui là, le panda il va peut-être m'ajouter vite fait. Ah tu lui as demandé? Ouais, il m'a dit je ne sais plus comment, même plus comment faire, comment on fait 2 secondes. T'as de la chance, moi j'ai plus rien acheté, j'ai que 200 PO. Oh, amiral de la voile sanglante brune. Ah, mais en vrai, son bâton mec, est trop beau. Yeah. Ah, mais si j'attaquais! On est tellement pas puissant qu'on le rate. Par contre, moi, je l'ai bien niqué. Sans blague. Wow. Qu'est-ce que tu manges? C'est l'expression des gens Artiste. Qui changent du chaton, non? Hein? Hein? D'accord. Ok. D'accord, il y a un nazi fou des chats. Enfin, il y a un nazi qui veut manger des chats. Non, il y a un mec qui critique WoW. Alors qu'il est sur WoW. Pas que logique. Ouais, WoW, c'est de la merde. Ouais, mais pourquoi tu... Ouais, mais c'est de la merde, hein. Bon, le panda reine, là, tu te grouilles. Dans une seconde, je vais voir si j'ai un autre perso. Il est panda reine moine. Ah, il est trop classe, en vrai. Bah, moi aussi, j'ai quelqu'un... J'ai un autre personnage, mais il est trop loin. Bougez pas les gars, j'essaie de vous inviter dans une guilde, si j'en ai une. Pandaren moine, mec il est trop beau, ses épaulières sont trop juste magnifiques. Et tellement. Bon on est plus que 2 sur le stage 2. Ouais. T'inquiète, je trouve un autre perso pour vous inviter dans une guilde. On est vraiment qu'à l'époque où tu peux dire n'importe quoi. Au pire invite le pandaren. Quoi? Invite le pandaren MDR.
Mais du coup, vous avez choisi de faire un mort-vivant, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Juste pour savoir. C'est plus. C'est avantageux pour ma classe. Hein? Oh, il classe. Bon, bah, en tout cas, si tu veux. Wow, on est trop fort. On fait des plus 36. Oui. Waouh, 36 de dégâts, c'est trop bien. C'est on est trop fort. Ça ne marche pas, l'ordi ne répond, me répond introuvable. Ouais, mon cul, ouais. Wow, qu'est-ce que c'est que... Il dit juste qu'il a la flemme, c'est tout, hein. Ouais, clairement. Bon, j'en ai marre. Bah, va faire finir ta pétition. Attends, je cherche un de mes persos qui aura une guilde. Aider les enfants de Hurlevent, victimes de la guerre et de la peste. On s'en bat les couilles. Ouais, t'as cru que vous allez faire. Vous êtes maintenant responsable du groupe. Ah. On dit oui, chef. Mais non, c'est pas ça qu'on veut dire. Alors, mon cher ami, faut-il voir tous ces bonnes larmes musulmans, n'est-ce pas? Mais les femmes, ça peut faire des campagnes? Non. Les femmes, tu veux une baguette? Oui. J'ai déjà la mienne, pas besoin de partager. Bah, alors, regarde ce que je fais, Jules. Tu veux une baguette? Ah, tu veux ma baguette? Tu veux ma baguette? Oh, tu réponds, veux, du bon tu veux ma baguette? Les gars, tu l'entends? Ouais. Question bête à ce qui était cet événement d'aujourd'hui. Pourquoi n'écouterait pas un PNJ j'ai eu maître de canal? Qu'est-ce qui se passe, Michel? Alban. Encore une fois, il y a bouche pleine. Ah. Je suis totalement d'accord avec toi, Jules. I'm a step down. Bon, arrête là pour YouTube.